Salut à tous, c'est Xis Carter pour YouTube, Pinkston Sound sur Twitch, et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Dying Light 2. Hop, on va déjà aller s'occuper là-bas de l'autre quête. Tu peux sortir. Ils peuvent plus rien faire. Qu'est-ce qui s'est passé? On était en train de bosser. Quand ils ont attaqué, ils ont pris nos provisions et abattu ceux qui s'interposaient. Mais pas tout le monde. Les autres, ils sont où? J'ai vu personne d'autre. Ils ont dû se faire embarquer. Oh mon Dieu. Maria. Robert. Ils ont pris mes amis. Tu sais où ils auraient pu amener tes amis? La frontière entre le territoire du boucher et le nôtre n'est pas loin. C'est là que les renégats ont leur camp. Tu vas les aider? Je t'en supplie. Il n'y a pas de pacificateur ici. Personne pour les aider. Je vais essayer. Merci. Sois prudent. Ils pourraient avoir des avant-postes le long de la route. Je vais te guider par radio. Je m'appelle Casper. Ce survivant avait raison. Quelque chose tourne vraiment pas rond par ici. Je suis au premier avant-poste. Aucun signe de tes amis. Ils ont dû aller vers leur campement. Il est plus à l'ouest, sur Fulton Tower Road. Rattrape-les avant qu'ils y arrivent. J'y vais. Non, je comprends pas. Ils disent que les renégats sont dangereux, mais le cessez-le-feu a duré des années. C'est comme s'ils ne craignaient plus les pacificateurs. Qu'est-ce qui a changé? On est peut-être sur le point de le découvrir. Je reste en contact. Ah.
personne ici non plus. Ils ont pu s'arrêter au point de vue du moulin avant sur Garrison Boulevard. Dépêche-toi. Ça sera plus difficile de les libérer s'ils atteignent le campement. Je vais les rattraper. Je crois avoir vu qui commandait ces renégats. C'était Elias. C'était un survivant. Il vivait dans la zone il y a 2 ans. Il était avocat avant l'épidémie. Un homme intègre. Puis, il a disparu. Il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet. Disparu ? Il y a 1 an, un type est venu. Un des hommes du boucher, ils ont dit. Apparemment, il travaillait pour le généreux, à l'époque. Il a essayé de convaincre les gens d'aller au barrage. Il leur a promis des armes. Et ceux qui l'ont suivi sont jamais revenus. Quand j'ai vu Elias juste avant, il avait l'air défoncé. Comme s'il était drogué. Ses yeux. Il était terrifiant. Comme s'il n'y avait plus personne. Je vais m'en occuper. J'y suis. J'ai trouvé que des renégats ici. Ils ont donc déjà atteint leur campement. Impossible de sauver mes amis maintenant. Je vais aller jeter un coup d'œil et voir ce que je peux trouver. Je n'osais pas te le demander, mais on peut pas abandonner. Aide-lui. Je t'en prie. Go!
Qu'est-ce que tu fais ici? Laissez ces gens partir. Je vais pas écouter la marionnette des pacificateurs. Tu vas t'étrangler dans tes ficelles. Ce sera un rideau pour vous tous. Mais nous, on n'a pas de ficelles. Il nous a libérés. De quoi tu parles, bordel? Le maître a libéré nos corps et nos esprits. Nous voyons maintenant qu'à chaque fois que nous terrassons un ennemi, nous absorbons sa force. Tu peux te joindre à nous. Ou tu peux passer l'arme à gauche aujourd'hui même. Pourquoi vous avez violé cette trêve? Pour le pouvoir, mon ami. Dans notre état libéré, nous possédons une force illimitée, un pouvoir infini. Waltz, notre maître, nous a donné ce pouvoir. Jack, Matt et les marionnetteurs, enchevêtrés et étranglés contre nous, sans pouvoir. Vous êtes qu'une bande de junkies pathétiques. Merci pour l'offre, mais t'es complètement cinglé. Tu ne comprends rien. Attrapez-le! En lance d'intrigue, j'étais coincé dans un mur. On ne l'oubliera jamais. Par ici, il y a une porte sur le côté. Allô? C'est Aiden. Tes amis sont sains et saufs. Merci, Aiden. On t'en doit une belle. Lawan, t'avais raison, il reste que des ruines. Lawan ? Major Matt, ici Aiden. Aiden, c'est bon de t'entendre, fiston. T'as dit que tu pourrais m'aider, et j'aimerais savoir comment. Pas à la radio. Viens sur le bateau, au QG principal. Je serai bientôt là aussi. D'accord. Mais reste pas dans le truc, espèce d'idiot. Qu'est-ce que... Foutons le camp d'ici, Greg. N'approche pas.
Qu'est-ce qui s'est passé? Vous venez de me sauver? Qu'est-ce qui vient de se passer ici? À mon avis, si on peut pas l'appliquer, c'est tout simplement qu'on peut pas le...
Thank you.
Thank you.
Bon, ça c'est fait. Du coup, je vais m'arrêter là pour cet épisode et je vous dis à très vite pour la suite. C'est tout le monde.